Bienvenue à l'émission de Régent Hull, les amateurs de sport sur Radio Piz. Alors voici votre animateur, Régent Hull. vous dis, monsieur Hull, on aimerait se gagner au Régent. Euh, euh, on doit, on doit Pas meurs, Oui, oui, parce que ça, ça devient de, de, de mon enfance, ça devient du qui m'appelait Pinot. Oh, ouais. Ce soir, une soirée historique pour le monde du hockey. Le canada va conserver, ben, va tenter de conserver sa médaille d'or au championnat junior mondial de hockey, ce soir contre la Tchéquie. Également du côté de Montréal, confrontation Rangers canadiens, donc les Rangers euh, d'Éric contre les Canadiens d'à peu près de tout le monde, à bord Flunky. Et euh, c'est ça donc, confrontation Rangers canadien au centre de la peau Soirée 100% OK ce soir. Yes sir. Émission spéciale avec Réjean Hull. <laughs> ben oui. bah ben oui, le Canadien joue ce soir contre les Rangers et aussi l'équipe Team Canada. Donc, pour parler de tout ça, j'ai mes invités, oui, Eric et aussi Bob Sanker. Ouais, comment ça va? Ben ça va bien, ben oui. Donc, le Canadien joue ce soir. Joue <laughs> ce soir. Ouais, elle se dit qu'on qu va les planter. T'es-tu malade? On va vous planter. Hey, gars, yeah, vous êtes fait massacrer par euh, euh, les Panthers, vous êtes fait massacrer par Washington, par euh, les prédateurs. Puis à soir, ben, ça sera contre les Rangers. Non. Ça, c'est pas vrai, ça. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Ben oui, regarde, là. Euh, c'est ça, là. Ben oui, on s'entend pour le Canada. Ben oui. À moins que tu prennes pour la République tchèque, là. Non. <laughs> Tu pense que je vais prendre pour eux autres, cest se dire Non, non, oui, prends pour le Canada, cest Hey, Connor Bédard, cest à hein? Non, ben oui, alors, regarde. Ça, il est phénoménal, là. Tu sais, c'est malade, là. Hey, moi, j'espère qu'on va le prendre au Canadien. Ben oui. Surtout, c'est un beau petit jeune homme avec des beaux petits yeux bleus. Regent Hall aime ça, les gars, les gars, des petits jeunes hommes aux yeux bleus. Et en plus, il va pouvoir aider Tonton Regent à distribuer des ghetto raids aux joueurs. Ben ouais, mais là, il ne faut pas. Non, non, non attends, un peu. Faut pas qu'il soit repêché par Montréal. T'es-tu malade, oui. Non. Hey, vous allez le scraper. Vous allez le scraper. Regarde, là. Ce que vous faites avec euh, Slavkovski, là. Yeah, vous avez Ce que vous avez fait avec Esperi Kotkeniemi. Qu'est-ce que vous avez fait avec euh, Alex Valchenyok. À chaque fois vous avez un bon joueur, vous vous organisez vraiment pour euh, qu'il soit pas bon. Ben ouais, mais... Euh, ça, c'est Trevor Timmons. Hein, faut pas oublier, là. Ouais. Trevor Timmons. Ben ouais. Euh, Trevor Timmons, c'est pas lui qui est allé au dernier repêchage, là? Non, non, mais quand même! <laughs> attends, un peu, attends un peu. peu, peu. J'aimerais mettre un bémol. Bon, celui qui a le dernier mot dans l'équipe, c'est Bibi. Hein? Que ce soit Marc Benjamin, Trevor Timmons, Kent Hughes, que ce soit Dieu le Père, peu importe. Hein? Ben, c'est Bibi qui décide. Donc, ce sont mes choix. Hein, pour ce qui est de Sidney Djuraj Slav Koski, peu importe comment il comprenait, je ne suis pas capable de le prononcer. De toute façon, que je le vois, je l'appelle Tikaï. Fait que, lui, là, hein, est, il est fin. Il fait des beaux sourires. Donc, c'est pour ça qu'on est allé le chercher. Ben oui, on est allé chercher. Bah ouais, chercher pour ça. C'ti. Voyons donc. Allez. Alors, il ben, faut, faut y laisser le temps de se développer. Mais il aurait dû être dans le tournoi junior. Oui, ça, c'est vrai. Il aurait dû être là. Il aurait été capitaine pour le checker, puis il sera en finale à soir. Au lieu de se faire planter par les Rangers, ouais, ben pas planter par les Rangers, ben oui, ben oui, ben oui, voyons, là on va vous planter à soir. Check bien la fronnière, Gauthier puis Blais. Hein? ils vont se donner, euh, ils vont se donner à cœur à soir contre vous autres, puis on va vous planter. Méchant problème que j'ai à soir, moi je vais suivre les deux matchs, ça c'est sûr, je vais souvent zapper là, tu sais. Euh je vais faire du RDS 1 du RDS 2 à soir, ça c'est sûr, parce que je veux voir les Rangers massacrer les Mongols de Montréal. <t 'info> faut dire que les gars vont. Les Canadiens est une équipe vraiment constable. Hein? On mise sur la stabilité. On se fait massacrer tout le temps, tout à pareil. Ouais, c'est ça. Ben bah ouais. <laughs>

Hey, si tu viens au Nouveau-Brunswick, on t'attend. Ah, cest les pubs du Nouveau-Brunswick, cest dans le championnat junior? Ben ah oui, ils me font rire en tabarouette. Oui, viens au Nouveau-Brunswick. Oui, et à même même ta belle-mère, viens manger du homard et des crevettes au Nouveau-Brunswick. Oui, et tu vas voir que ça va être le fun au Nouveau-Brunswick. Eh hey, monsieur. Alors, il... <laughs> C'est comme un peu du monde de Charlevoix, mais dans une autre province. Ah, ben là, c'est toi qui le dis, ça. Ah, honnête. Ah, honnête. Ah, honnête. Ah, honnête. Ah, ouais. Fait que c'est ça. Ben ouais, ben ouais, ben ouais. puis euh, c'est ça. Ben là, c'est répétable avec chaque soir. Ben là, faut y battre en destin. Ah, ben oui. Ben ouais, de toute façon, nous autres, c'est l'art ou rien, là, tu sais. Euh, tu sais, pis euh, c'est ça, là. Mais hier, contre les Américains, et ça a le mal parti. La défense. Euh, une chance que Melich a bien gaulé parce que ça aurait pu être pire que ça, là. Alors yeah, c'était. Euh, c'était assez ordinaire au début, là. Okay? C'est 10 premières minutes, là. C'est une tempête américaine. Ils ont scoré deux buts en plus. Hey, là, je commençais à me dire, qu'on on va-tu se faire massacrer? Non. Moi, j'avais pas le bouton de panique parce qu'on avait l'attaque pour répliquer. Et c'est ça il a la grosse force du Canada. Mais là, ce qui était le fun hier, c'est qu'il n'y avait pas juste Connor Bedard qui s'est inscrit au pointage. Là, là il y en a d'autres qui se sont levés parce que là, à un moment donné, c'était euh, quasiment Connor Bedard qui faisait le club à lui tout seul. Là, Mais euh, là, heureusement, il y a en a d'autres qui s'en sont levés. Moi, j'adore. Je l'avais vu cet été et je l'ai euh, adoré cet été. Moi, c'est Logan Stenkoven. Moi, oh, on dit qu'il J'adore ce joueur-là. Ah, il joue. Euh, il est sa ligne à Bédard, ben, ouais. Ouais. En plein ça. Et puis, euh, c'est ça. C'est de valeur parce que peut-être bien qu'il ne fera pas à la Ligue nationale parce qu'il mesure 5 et 7, là, il est trop euh, petite. Mais, euh, tu sais, c'est. Euh, c'est un excellent joueur de hockey. Euh, et c'est triste parce que c'est justement, par son physique, fort problème là, que. Va falloir oublier la, la Ligue nationale. Ouais. va falloir oublier la Ligue nationale. Ces mais c'est pas grave, on a. Ouais. Puis euh, c'est ça. Alors, mais. Alors, c'est parce que là, je l'ai fait deux fois déjà, là, trois fois. alors, Mais Une fois, c'est drôle, là. Deux fois, c'est souriant, mais là, la troisième fois, c'est trop, là. Ben, c'est ça. T'as dit que tu me protèges en estime. Qui ça? Ben, euh, Ah, ouais, <laughs> Mais, euh, c'est ça. En tout cas, j'ai bien hâte de voir euh, ce soir. Ça fait du bien. Là, c'est vraiment le fun, là, tu là, là, on parle pas de pandémie. On parle pas de. Attends, la pandémie est finie. Non, non, mais, tu sais, l'inflation, les, 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 les sujets lourds, là, euh, les conneries, là, tu sais. Puis, euh, ça fait du bien de parler de hockey. Pis en plus, surtout quand t'es un fan euh, des Rangers, ben, c'est que t'as froid de canadien à soir. Hein, mais en plus, ils ont pris deux tire hein, Ils ont pas pris de chance, ils sont pas venus avec son <laughs> Ah non, non. Ils ont pas pris son Je Ils laisse rendre directement à l'île aux Génies, là. Fait que, euh, c'est ça, ils sont partis hier. OK, fait qu'ils ont passé la soirée d'hier euh, des morts de ta place. Ouais, fort problème, oui. Il y en a qui en ont profité. Euh, c'est sûr. Euh, en autant que... Euh, il y en a tant qu'ils ne sont pas chauds là, à cette, à, à, encore à cette heure-là, mais là, à cette heure-là, euh, <laughs> on aurait un problème. Alors, ça, c'est sûr, mais. Euh, non, mais de toute façon, Galat, il, il est au courant aussi comment ça marche, Montréal. Ah ben, oui, 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 Gérard Galat, bah ben, oui. Fait connaître connaît très bien Montréal, fait que. Euh, parce que c'est sûr que Montréal est réputé vraiment c'est les bars oui, les bars de Montréal les tavernes, les bandes de danseuses on est la ville par excellence là-dessus par exemple on peut dire où le Canadien domine c'est avec nos bars nos bandes de danseuses et ça c'est certain que le Canadien domine la ligue nationale de hockey à ce niveau si on donnait une coupe cette année pour la ville qui a les plus beaux bars de danseuses ben ce serait Montréal qui gagnerait la coupe Ouais, mais. <laughs> mais là-dessus, on ne peut pas t'abstenir, les gens. Et euh, ça, ça Donc, ça sera à voir. Rendez-vous pour ce soir à 18h30, le, le Canada contre la République tchèque pour le match de la médaille d'or. Et à 19h, les Rangers de New York contre le club d'or qui est le Canadien de Montréal. Donc, ça sera à voir. Ouais, puis... Euh... Ok. Go, Habs, go. Go, Canadien, go. Oh, ouais. pas pour les. Oh, ouais. Uh, go, Canada, go. Ok. Go, Canada, go. Go, Rangers, go. Un petit plot. Mais non, je suis toi. <laughs> hey, en passant, euh, c'est vrai, euh, euh, je voulais vous dire qu'à 18h, je serai à Boulevard FM ce soir. Ben, c'est ça, je disais. une petite plot. Moi, non, je suis diable, toi. Alors, mais, moi, moi, je suis invité à d'autres postes de radio, en passant, hein. Ben, ouais. Ça va, ben moi, je plate pour ça. Ben oui, c'est parce que t'es pas assez intelligent non plus. Mais euh, c'est ça, donc. <laughs> ouais, c'est y a des baveux en Asie qu'il y a des jévos. Ouais, c'est ça. Faut dire que Bob est dans son studio chez lui en passant, là, parce que, surtout avec la température qu'il fait aujourd'hui, là. Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais Ouais, ben là, c'est ça, c'est un peu de de merde. Ouais. Fait que, euh, Oui, pour vous dire que je serai à 18h minuit, heure européenne, à... Ouais, au 102.1, euh, c'est blvd.fm, boulevard.fm, blvd, et euh, c'est ça, et ceux qui sont à Québec, ben, c'est le 102.1, et euh, c'est ça, je serai là à 18h, et on va parler de... de... du diable dans la musique « De, de, du diable. » Ben ouais, mais pourquoi tu fais des « de, de, de » pour qu'on réponde de quoi qu commence par « de, 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 de » Pis, c'est du diable ». Ben non, mais en tout cas, ça revient au même, là. Ben non cest niaiseux Ben ouais, tu sais, ah, non je fais le diable toi, en cœur, tu ah ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Ben c'est ça. Fait que, vous avez de l'engassoir, ou sinon, vous avez le docteur qui fait sa plotte dans une poste de radio, tu C'est ça, c'est ça. Ben ouais, c'est vous C'est la vérité. Quitte à pas moi, euh, euh, moi, de switcher ça en est à l'Ocast à 6h30. Moi, te décrochant en estime. Ah ouais? Mais sauf que tu vas pouvoir écouter un podcast. Ouais. J'ai assez de t'endurer, là. <laughs> fait que c'est ça. Yes, yeah, sir. Fait que ouais. Fait que euh, c'est ça. Mais, si t'es. Il y a un génie qui arrive, OK? Maintenant, faut fais pas moi. Euh, Hugo arrive, OK? puis il te dit, Éric, t'as le choix. T'es obligé de prendre une des deux victoires de ce soir. Soit une victoire des Rangers. Oh, une victoire des euh, Canada! De... Tu me dis des du », d'après ça, c'est dedans, puis toi, t'es là, puis une victoire du can... de, des Canadiens. En tout cas, tout le monde a compris, là. Ben oui. Moi, mon argument, tantôt, ça passait pas, mais toi, ça passe. Ah, ben là, ok, okay là, bon, t'as raison, ben. Ouais. Non. Fait que c'est quoi, là? Ok. T'as un génie qui arrive, ok, de la rivière du Lot, sortant d'une bouche d'égout. Et Hugo arrive et dit "Ah, docteur, tu dois choisir ce soir une victoire du Canada ou une victoire des Rangers. Oh, t'as pas le choix, c'est un ou l'autre. Ah, c'est vrai que du côté des Rangers, le fait de la jouissance." Euh, de battre les Canadiens à Montréal en plus. Ben, battre le Canadien tout court, c'est dur à battre. Ça, je dois, je dois de, vraiment l'avouer. Euh, c'est très, 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 très jouissif. Par contre, de l'autre côté, le Canada, gagner l'or, ben, c'est super important. Tu sais, fait que... Ça me tente pas de perdre la face euh, contre la République tchèque. Parce que c'est beau pour moi. Euh, Je suis très patriotique au hockey. Et euh, moi, pour moi, le, 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 le Canada doit toujours gagner l'or. Okay? Hey, mais c'est une bonne question. Ouais, hein? ouais. Euh, maudite bonne question. Puis tu pas le droit de dire les flyers. <laughs> oh, goût. -oh. Euh, je sais pas. Je sais pas. Ah, mais. C'est vache, ça? Ouais. Euh... C'est sûr que si le Canada gagne, toute la tension sera autour de la victoire du Canada. Puis la défaite des Rangers va comme passer deuxième. Tandis que le contraire, ça se fera pas. Tu penses? Non. Si le Canada perd. Euh, Canada perd et les Rangers gagnent. Ben, de toute façon, l'attention sera autour de l'équipe Canada ce soir. Fait que. C'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'à soir, il y aura plus de codes d'écoute pour le match du Canada que le Canadien. je pense que j'irai avec la victoire du Canada. Ah ouais! Ouais. À de, de la victoire des Rangers. Ouais. Euh, si tu m'obliges à choisir, là. Ouais! S'il y a un, euh, un génie qui s'appelle Hugo. Qui sort d'une grille d'égout de Rivière-du-Loup. Ben, il te fait choisir ça. Ben, j'ai pas le choix, j'irai avec la victoire du Canada. Okay, okay. À cause de la, de la tension euh, qu'il va avoir autour. Je sais que, en temps normal, il y a un paquet de partisans des Canadiens qui se mettraient à m'écœurer, mais sauf que ça va comme passer sous le radar parce que ça a être une victoire du Canada. Fait que c'est Victoire du Canada. Bah, Hein? Ben ouais. Alors. Pis toi, <laughs> Mais bon comme je dis toujours j'aime la constabilité donc le canadien est sur une lancée de défaite il faut rester dans une lancée de défaite et ce qui arrive c'est que c'est ainsi les canadiens on le voit depuis trois, trois matchs et euh, c'est ça c'est que là on, on améliore les statistiques offensives des autres équipes hein. donc ça c'est super important on donne une chance aux autres équipes en même temps d'avoir des de belles statistiques euh, dans le classement de, de, euh, de pointage et aussi pour les gens qui ont des poules donc ben c'est super intéressant donc c'est la raison pour laquelle les Canadiens euh, ben on joue de cette façon là ouais puis euh, Slagoski qui ira à Laval c'est vrai là, là. c'est sérieux là ben oui, ben j'ai dit à Fiston, t'as pas dit ça de l'avoir, c'était un beau petit jeune homme de 18 ans, il est bien, bien fin. Fait que là, ben Fiston a dit, euh, il a dit, ben oui, papa, ça me dérangerait pas de le prendre pendant une couple de semaines avec moi à Laval, fait que ça serait fun. Fait que là, Fiston, ben, il a dit, ben, il n'y a pas de problème. Dès que tu veux que j'aille à euh, Snafkowski, ça me fait plaisir de le prendre avec moi. Avec toi. Avec moi, oui. Non, ben c'est ça. Donc, euh, oui, mais ce soir, ce que je prédis, une défaite du Canadien et aussi un match nul pour la médaille d'or. On va être obligé de prendre des cirons et couper la médaille en deux. Ah, ça serait nouveau, ça. Ben oui, avec Connubédor. Ouais, il va être bon à Nest-Connubédor. Oui, oui, il va être bon. Hey, il ne peut même pas aller prendre de bière encore dans les bords. T'as même qu'il est jeune puis il a battu tous les records du Canada. C'est quand même malade. Fait que c'est ça. Ouais. Bon, ben, c'est bon. puis toi, tes prédictions? Ah, victoire! Euh, demain d'être là. Ben, il y a, y, a, y, a, y a un génie qui sort d'une bouche d'égout qui vient de nous puis il dit la même chose. Oh, OK. Victoire du Canadien ou victoire du Canada? Euh... Je pense que je choisis la victoire du Canadien. Juste le fait de faire chier, docteur. <laughs> bon, ben on verra ça ce soir. Donc, on va tout voir ça ce soir. Et euh, bonne chance à tout le monde. Bye bye. Bye bye. <music>